مثلا إذا أردت أن أقول هم سينسحبون عندما سيرون سعر أو ثمن المنزل. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. Le premier verbe, c'est le verbe aller. Ils vont, conjugué au présent de l'indicatif. On a le verbe se retirer, un verbe pronominal, fi'l murakkab, ma'naah yansahib. Verront, ça c'est le verbe voir, conjugué au futur. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Voilà la phrase. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. En arabe, أنا ذهبت إلى الشرطة لتقديم أو لوضع شكاية لأن أحدهم حطم أو أتلف سيارتي. On a le verbe déposer, معناه يضع. Une plainte, ça c'est un nom féminin, signifie douleur exprimée par quelqu'un. Je répète, douleur exprimée par quelqu'un. يعني الشخص الذي يعبر عن ألمه إذن المعنى هو أنين أنين هذا المعنى الأول لهذه الكلمة une plainte et le deuxième sens c'est déclaration portée en justice. Je répète déclaration portée en justice هذا المعنى الثاني لهذه الكلمة يعني وضع شكاية في مقر الشرطة. المعنى الأول أنين المعنى الثاني هو شكاية التي توضع في مقر الشرطة ذهبت إلى الشرطة لتقديم أو لوضع شكاية لأن أحدهم حطم أو أتلف سيارتي aussi on a le verbe bousiller un verbe familier synonyme de casser ou abîmer هذه الكلمة أو هذا الفعل فعل يستعمل في اللغة العامية معناه يكسر أو يتلف أو يفسد كذلك يحطم Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Une autre phrase. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. Voilà la phrase. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. En arabe, اعتاد الصديقان على الدردشة لساعات على الهاتف. On a le verbe papoter signifie discuter de choses sans intérêt. En arabe, مناقشة أشياء بدون أهمية. يعني الدردشة. يدردشو. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة ليس خطأي إذا كنت لا تفهم أي شيء؟
Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Une autre phrase. لضيقي الوقت لن أتمكن من إنهاء عملي. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. L'expression faute de temps signifie par manque de, yani bisabab adam wujud, yani lidayq al-waqt, faute de temps. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. Une autre phrase. أنا المخطئة لذلك أخشى أو أخاف أن أجعل الوضع أسوأ بالحديث أكثر يعني أن أفاقم الوضع. Oui, très bien. Je suis la fautive. Alors, j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Je suis la fautive. Alors, j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Je suis la fautive, yani ana al-mukhti'a. Fautive, ça c'est un adjectif, ma'na mukhti'a. Pour le masculin, on dit fautif avec F à la fin. Aggraver la situation, yani an tazid al-wad'a su'an ou tufaqima al-wad'a. Je suis la fautive, alors j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Une autre phrase. Sihatuha tatadahwar li'annaha ta'mal tahta ad-daght. Jumla sahla jiddan astiqa'i. Oui, très bien. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. On a le verbe se détériorer, معناه يتدهور, pression, يعني ضغط. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. الآن استمع جيدا لهذه الجملة سهلة جدا. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. Voilà la phrase. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. En arabe, la yumkin al-wuthuq bih ou la yumkinuna. Laqad afsha as-sir. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. Al-an istama' li hadhihi al-jumla. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Voilà la phrase. Il engloutit tout ce qu'il mange.
Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. En arabe, هو يبتلع كل شيء يأكله. لا عجب أنه يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو أنه يعاني من مشاكل الهضم. Il engloutit, ça c'est le verbe engloutir, signifie manger très vite. يعني الأكل بسرعة كبيرة, يعني يبتلع. Étonnant, ça c'est un adjectif, صفة معناها مذهل. Qu'il est, ça c'est le verbe avoir conjugué au subjonctif présent. Digestion, معناها هضم. Un nom féminin, اسم مؤنث. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Une autre phrase. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Voilà la phrase. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et il est encore en rodage. En arabe, يجب أن يكون حذرا. إنها سيارة جديدة ولا تزال في فترة التشغيل. On a l'adjectif prudent, معناها حذر. Aussi, on a l'adjectif neuf, معناها جديدة. Le masculin de cet adjectif, c'est neuf, avec F à la fin. هذه الكلمة قد تعني كذلك الرقم 9. On a aussi rodage, signifie période pendant laquelle on teste le moteur d'une voiture. Je répète, rodage, ça c'est un nom masculin, signifie période pendant laquelle on teste le moteur d'une voiture. En arabe, al-fatra التي يتم خلالها اختبار محرك السيارة. إذن هذه الكلمة معناها اختبار محرك السيارة أو فترة التشغيل. عندما تكون السيارة جديدة. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. Nada n'a pas voulu venir avec moi. Ça m'est égal, j'irai tout seul. Voilà la phrase. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. En arabe, Nada lam turid an ta'ti ma'i. لكني لا أبالي أو لا أهتم سأذهب وحدي. On a le verbe vouloir, n'a pas voulu, conjugué au passé composé. Aussi on a l'expression ça m'est égal. معناها لا أكثرت أو لا أمانع أو لا أبالي أو لا مانع لدي. J'irai, ça c'est le verbe aller, conjugué au futur. هنا لدينا فعل يذهب مصرف في المستقبل tout seul يعني لوحدي. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. Une autre phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Voilà la phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui, يعني لقد أنهيت علاقتي معه. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Une autre phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Fonce à la boulangerie avant la fermeture.
Voilà la phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. On a le verbe foncer, un verbe familier, signifie aller vite, ladayna fa'l, ou le verbe foncer, musarraf fi sirat al-amr, yani à l'impératif, yust'amal fi l'oura al-amiya, ma'na adhahab bi sur'a, yani asra' ou idhahab bi sur'a, ila al-makhbaza qabla al-ighlaq, ou qabla an-tughlaq. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Une autre phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ta remarque n'est pas fondée. Voilà la phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ici, on a l'adjectif fondé, signifie qui est justifié. معناه يستند إلى أو يرتكز على أو يعتمد أو له أساس. Ta remarque n'est pas fondée. ملاحظتك لا أساس لها أو لا ترتكز على شيء. Une autre phrase. Il se fonde sur sa propre expérience. Pour expliquer ça, il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. Voilà la phrase. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. En arabe, هو يعتمد على تجربته الخاصة لشرح هذا أو ليشرح هذا. On a le verbe se fonder, signifie s'appuyer sur des arguments. Je répète, le verbe se fonder signifie s'appuyer sur des arguments, يعني الاعتماد على حجج. إذن هذا الفعل معناه يعتمد. Il se fonde sur sa propre expérience, يعني تجربته الخاصة, pour expliquer ça, يعني لشرح هذا. On peut dire aussi il s'appuie. Le verbe s'appuyer, معناه كذلك يعتمد. Il s'appuie sur sa propre expérience pour expliquer ça. Une autre phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. J'ai remarqué que son rire était forcé. Voilà la phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. En arabe, لاحظت أن ضحكه كان غير طبيعي. J'ai remarqué, ça c'est le verbe remarquer, un verbe de premier groupe, معناه يلاحظ, son rire, يعني ضحكه était, ça c'est le verbe être, conjugué à l'imparfait. Aussi, on a l'adjectif forcé. Forcé, معناه غير طبيعي, qui n'est pas naturel. J'ai remarqué que son rire était forcé. Une autre phrase. Je suis forcée de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Je suis forcée de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Voilà la phrase. Je suis forcée de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. En arabe, ana mujbar ou ana mudtar lilqiyam bihada al-amal al-yawm, ghadan lan akuna huna. Je suis forcée de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Dans cette phrase aussi, on a l'adjectif forcé, mais cette fois signifie qui est obligatoire ou imposé. Je répète, qui est obligatoire ou imposé. يعني ما هو إلزامي أو يجبر الشخص على فعل ذلك. يعني عندما يكون مجبر. رأينا في المثال السابق l'adjectif forcé معناه qui n'est pas naturel يعني ما هو غير طبيعي. أما في هذه الجملة المعنى تغير ليصبح
إجباري أو إلزامي، يعني عندما يكون الشخص مجبر أو ملزم بفعل شيء ما. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. On peut remplacer l'adjectif forcé par l'adjectif obligé. On dit je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Obligé, là, هو نفس المعنى للادجكتيف forcé, يعني معناه مجبر أو ملزم. Je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Une autre phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Voilà la phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. En arabe, huwa waqih. يجيب دائما عندما أجادله. On a l'adjectif effronté, معناه وقح. قد تعني كذلك الشخص الجريء. Effronté, pour le féminin, on ajoute E à la fin. Il est effronté, il répond toujours quand je le dispute. Une autre phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Voilà la phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. En arabe, ana muhbat lil ghaya min sulukika. Extrêmement, يعني كثيرا أو للغاية. Déçu, يعني محبط. Comportement, يعني سلوك. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. جملة أخرى. Cette solution était mauvaise, c'est pourquoi je l'ai écartée. Cette solution était mauvaise, c'est pourquoi je l'ai écarté. الآن أصدقائي أدعوكم لكتابة الجملة التي سمعتموها في التعليقات. أتمنى أن يكون الدرس اليوم قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.